Mesdames, Messieurs, chers amis, chers collègues, avant d'entamer notre séance de conseil municipal, comme m'y oblige la loi et comme de coutume, je dois vous rappeler que conformément à l'engagement que nous avions pris au début de notre mandat, de filmer l'intégralité des débats pour les rendre accessibles en direct ou en diffusion sur la page Facebook du site de la mairie, que notre séance de ce soir est donc retransmise en direct. Je salue donc les internautes qui nous ont rejoints ou qui nous rejoignent et je leur rappelle que les questions qu'ils pourraient déposer dans le fil de commentaires n'auront pas obligatoirement de réponse immédiate, mais que si cela en appelle, bien sûr, et à condition qu'ils nous laissent leurs coordonnées, nous pourrons leur répondre a posteriori. Lors de notre séance du 17 mars dernier, nous avons accueilli dans cette enceinte M. Joël Caillère en lieu et place de Mme Frédérique Roulan. Vient aujourd'hui le temps de remplacer Mme Sandrine Leroy, démissionnaire, et c'est la raison pour laquelle nous allons accueillir ce soir M. Thierry Stepanowski au sein de notre conseil municipal. Monsieur le conseiller municipal, cher Thierry, je vous souhaite en mon nom et en celui de l'ensemble de nos collègues la bienvenue dans cette assemblée et je vous laisse le soin de vous présenter pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas. Et je vois que vous avez déjà pris les bonnes habitudes de prendre le micro. C'est parfait. Donc le micro, je le rappelle, permet aux internautes de nous entendre alors que nous nous entendons très bien. Donc ils sont allumés normalement. Donc, bonsoir à tous. Donc Thierry Stepanowski, installé à Briolet depuis 4 ans. Représentant des parents d'élèves, adhérent et pratiquant du run and bike, adhérent du comité des fêtes et président de l'association du Grand Pressoir. Je vous remercie. Et comme les occasions de vous faire applaudir par vos pairs dans sa enceinte vont être relativement limitées, je vous invite très sincèrement à goûter celle qui arrive. Je vais maintenant constater avec vous que les conditions de la tenue de notre conseil sont rassemblées en commençant par faire la liste des conseillères et des conseillers qui nous ont fait part de leur absence ce soir. Madame Dominique Bouchard, qui donne pouvoir à Madame Catherine Deschamps. Monsieur Florent Knopfler, qui donne pouvoir à Céline Sébron. Reynald Lesquache, qui donne pouvoir à Frédéric Maury. Cédric Marandeau, qui me donne pouvoir. Sophie Menuot qui donne pouvoir à Sylvie Fouché et Wilfried Ney qui donne pouvoir à Pierrick Viaud. Je ne constate pas d'autres absents. Je peux donc, avec vous, certifier que le quorum est réuni. C'est la condition sine qua non à ce que nos débats soient légaux et nos échanges fructueux. Échanges dont je vais laisser le soin à Jackie Mignot d'assurer le secrétariat si vous en êtes d'accord. Pas d'opposition. Merci. Je vais maintenant vous faire la lecture du déroulé de notre séance. En préambule à notre conseil et à titre d'information, Pierrick Viaud se propose de vous présenter les procédures relatives à l'installation des caravanes et des mobilhomes sur le territoire communal. J'ouvrirai ensuite notre séance en invitant à nouveau Pierrick à conserver la parole puisqu'il nous présentera le principe du classement de la voirie municipale de terrain dont nous avons récemment fait l'échange avec le propriétaire. S'ensuivront deux délibérations relatives aux ressources humaines, avec l'ouverture d'un poste suite au reclassement d'un agent et la mise à disposition de cet agent auprès de la Fédération des œuvres laïques 49. Je continuerai avec un lot de décisions budgétaires et fiscales, puisqu'il s'agira, un, d'approuver notre compte de gestion 2021, d'approuver ensuite le compte administratif, d'affecter les résultats de l'année 2021, et en quatrième point, d'arrêter ensemble nos taux d'imposition pour l'année 2022. Notre ordre du jour va ensuite se trouver un peu bousculé, car contrairement à ce qui avait été annoncé, Jackie ne pourra pas être en mesure de vous présenter la convention relative aux travaux de l'aménagement du carrefour du chemin de la Guichardière et de la RD 52, qui n'est pas totalement ficelée avec les différentes parties prenantes, et ce sera donc reporté à une séance ultérieure. Le point suivant, quant à lui, aurait dû être consacré à la validation du plan de financement prévisionnel des travaux de la salle de sport. Malheureusement, vous verrez, l'actualité va me contraindre à vous proposer un débat en marge de cette décision. C'est Jackie qui reprendra la parole ensuite pour nous parler des réseaux et de leur effacement dans la rue des Acacias et dans le chemin des Frênes. Il nous proposera ensuite d'adopter les modalités qui viseront à équiper notre collectivité d'un terminal de paiement électronique. Et nous évoquerons ensuite deux points relatifs au fonctionnement de notre Assemblée,
Un premier en lien avec la modification de notre règlement intérieur et un second qui visera à entériner la nouvelle composition des commissions municipales consécutivement à l'arrivée de nouveaux conseillers. C'est Christine Rabu qui clôturera notre ordre du jour avec l'adoption de la tarification des camps de cet été. Puis nous lèverons la séance après avoir abordé les éventuelles questions diverses qui auraient été portées à notre connaissance. Je signale aux conseillers municipaux qu'à l'issue du conseil municipal public, s'ensuivra une très courte séance d'un conseil municipal privé, le temps de régler les affaires des élections de cette semaine. Comme le veut la tradition, nous allons soumettre à votre approbation le procès-verbal de la séance du 24 février, dont la lecture a été assurée par Pierrick Viau. Avez-vous des remarques ou des corrections à apporter à ce procès-verbal? Je n'en vois pas. Avez-vous des abstentions, des votes contre? Il en est ainsi décidé. Je vous remercie et je cède la parole à Pierrick pour la première information sur les caravanes. En dessous. Petit problème technique. Ça y est, c'est bon. Oui, je voulais mettre en avant les difficultés que l'on rencontre aujourd'hui au niveau de l'urbanisme et au niveau de la voirie, d'une manière générale, sur l'installation de caravanes ou mobil-homes et faire un petit point sur la réglementation qui s'applique à ce genre d'installation. On est souvent un petit peu démunis face à ça et pour avoir un petit peu les éléments réglementaires à notre disposition, on a voulu partager en fin de compte la réglementation qui s'applique. Alors, pour comprendre ce tableau, sans lire le détail, on a partagé, en fin de compte, la réglementation est différente suivant qu'on est en zone constructible, suivant qu'on est en zone 1AU ou 2AU, c'est à urbaniser, ou qu'on est en zone classée en naturelle ou agricole. Donc pour commencer, la partie jaune, c'est la zone UC, qui est donc la zone constructible, sur laquelle lorsqu'il y a des caravanes qui s'installent, soit c'est des caravanes qui sont sur un terrain privé, et auquel cas l'installation d'une manière générale est interdite, il y a une tolérance qui est faite sur ce genre de zone, avec un stationnement autorisé jusqu'à 3 mois, et après qui est interdit. Voilà. Pour tous les autres, l'installation et le stationnement sont interdits sur toutes les zones constructibles, notamment lorsque il y a un terrain qui est où la résidence principale n'est pas dessus, et auquel cas la caravane est strictement interdite. En gros, on peut mettre sa caravane chez soi. Pas de souci, du moment qu'on n'y habite pas, pour la stationner, du moment que la résidence principale est sur le même terrain. Dès le moment que la résidence principale n'est pas sur ce terrain-là, la tolérance est de 3 mois, et après, c'est interdit. Voilà. Donc on a mis à chaque fois en face la conduite à tenir, qui se résume la plupart du temps pour nous à une constatation par le policier municipal, avec une lettre de mise en demeure qu'on a déjà fait au niveau de la commune, pour signaler cette présence non adéquate, et derrière un procès verbal qui est envoyé au procureur. Voilà. Lorsque pour les mobil-homes, on retrouve à peu près la même chose, il y a juste un petit bémol sur lequel la commune s'est réservé le droit de donner l'autorisation à certaines constructions d'installer un mobil-home sur une période très provisoire, de façon à ce qu'il y a des gens qui souhaitent, pour certains, construire eux-mêmes leur maison, ou en tout cas participer activement à la construction de leur maison, et donc pendant ce temps, ils peuvent se loger sur leur terrain dans un mobil-home, avec un temps qui est bien déterminé et consigné par écrit. Voilà, c'est la seule dérogation qu'on donne à ce niveau. Voilà pour les zones constructibles. Pour les zones 1AU, 2AU, là, l'installation, que ce soit des caravanes ou des mobil-homes, est totalement interdite. Il y a une subtilité sur la zone 1AU qui donne la possibilité d'avoir une caravane simplement sur un délai de 3 mois maxi, et un peu comme la zone constructible d'ailleurs, mais tout le reste, en zone 1AU et 2AU, les stationnements sont interdits. Voilà.
Ce que je n'ai pas indiqué sur toutes ces zones-là, c'est que lorsque des caravanes viennent s'installer sur des voies communales, je prends par exemple le stade de foot ou ce genre de choses, il y a une tolérance de 48 heures sur lequel les gens qui s'installent, si ça appartient à la commune, doivent au bout de 48 heures laisser place nette. C'est juste la tolérance qu'il y a sur ce genre de choses. Voilà. Sauf si, bien sûr, il y a des troubles graves à la salubrité ou à l'ordre public, bien entendu, là, c'est un départ immédiat. Et enfin, donc, la dernière zone, s'il vous plaît. Voilà, sur les zones naturelles et agricoles, là, c'est stationnement et c'est assez facile, hein, puisque tout c'est stationnement et installation interdite sur toutes ces zones-là. Voilà. C'est principalement sur ces zones-là qu'on se retrouve avec des caravanes, d'ailleurs, la plupart du temps. Donc, j'attire votre attention, c'est sur le fait que même sur les terrains agricoles et naturels qui sont achetés à titre privé, puisque maintenant c'est ce que l'on voit de plus en plus par des gens du voyage ou autres d'ailleurs, même s'ils achètent ce genre de terrain, l'installation de caravanes et de mobil-homes est interdite. Voilà. C'est clair et net. Sur Briolet, ça a déjà fait l'objet forcément de lettres et de procès-verbaux adressés au procureur. Hein, on suit tous les terrains qui sont concernés par ce genre de choses. Voilà. Est-ce que il y a des questions par rapport à ça? Bon, bien sûr, ce tableau est à disposition. Hein, vous pouvez le récupérer. Voilà. Moi, je pense qu'on vous l'adressera même comme ça. Ça vous permettra de l'avoir et de pouvoir répondre le cas échéant si vous aviez des sollicitations d'administrer. Effectivement, comme le disait Pierrick, il nous arrive très fréquemment de faire ce type de constatation et de déclaration auprès du procureur, on va dire dans les délais légaux qui nous sont donnés. Après, si ça ne bouge pas, ça n'est pas obligatoirement du fait de la mairie. On peut comprendre quelquefois l'exaspération de certains administrés de voir le temps de réaction et voire même l'absence de réaction totale pendant un très grand laps de temps. Il faut savoir que le rôle de la mairie, une fois que ça a été signalé auprès du procureur, s'arrête, sauf à relancer le procureur, mais voilà, c'est-à-dire qu'après, ce sont des temps qui nous échappent. Merci, Pierre. Arnaud, dis-moi. Pascal. Ouais, justement, c'était la question par rapport... donc, c'est envoyé au procureur, et après, si c'est sans suite... En fait, après, c'est évacuation, manu militari. Normalement, c'est ça. Ah, mais quand t'es sur ta propriété. Ouais, tu constates que la caravane... Quand quelqu'un s'est installé sur ta propriété. Ouais, propriété... Non, il est sur sa propriété propriétaire et plus de 3 mois, parce que normalement, c'est ça. Ou en zone ENA, naturelle ou agricole. S'il refuse de partir, c'est expulsion. C'est expulsion, mais qu'est-ce qu'il donne? C'est le procureur. C'est le procureur après enquête de gendarmerie, bien entendu, en amont. La seule chose qui diverge, c'est si, sur ce même terrain, il y a des ordres. Hein, s'il y a des ordres en termes de salubrité ou en termes d'ordre public, tout simplement, là, ça peut accélérer les choses en termes d'évacuation. Mais par contre, après, la mairie n'a plus la main là-dessus. Une fois qu'elle a donné son procès verbal et a annoncé au procureur qu'il y a une non-réglementation qui est en cours, enfin, en tout cas, un non-respect de la réglementation, voilà, on n'a pas d'autre levier au niveau communal. Il y a des situations rendues au procureur qui ont abouti sur l'aglo, là, du moins. Alors, sur Briolet Pas depuis que nous sommes aux commandes. Par contre, on en est à la deuxième ou troisième signalement au procureur. Ouais. La plupart du temps, les gens sont partis. Donc, avant qu'il y ait quoi que ce soit, à un moment, les gens sont partis d'eux-mêmes parce qu'il y avait de la pression qui était faite. Hein. On les voit régulièrement et autres, les gens sont partis. Bon, voilà, ça s'est passé comme ça. Mais non, il n'y a pas eu autrement. Pour les gens qui ne sont pas partis, il n'y a pas eu... voilà, il n'y a pas eu de suite du procureur. Pas d'autres demandes d'intervention? Eh bien, Pierrick, tu vas garder la parole, puisque pour la première décision de la soirée, il s'agit des dispositions à prendre suite à un échange de terrain. Oui, c'est donc une régularisation que l'on pratique pour... l'échange de 4 parties de parcelles entre la commune de Briolet et M. Dobar, propriétaire au 10 route des Placelles. Voilà, vous avez donc le schéma sous les yeux. Pour
régulariser un petit peu la situation, parce que cette route déplacée, elle est-elle morcelée et donc hachée et pas linéaire en termes de route. Il y a des échanges de terrain qui se sont faites, qui sont déjà actés au niveau notarié, hein, ça a déjà été fait. Simplement, l'objectif aujourd'hui, c'est de passer dans la voirie publique, dans la voie publique. Et donc, il y a échange entre les terrains en violet que vous voyez sur le schéma entre de monsieur et madame, les terrains de la commune de Beauvais qui sont cédés à madame Debar, voilà, et tout ce qui est en vert, c'est monsieur et madame Debar qui cèdent leur terrain à la commune. Pour le violet, c'est 30 mètres carrés et pour les autres, c'est 10 mètres carrés. Voilà, c'est simplement pour avoir un aspect routier beaucoup plus aménagé. Pour mémoire, vous souvenez, on avait déclassé. Les bouts en violet, nous les avions déclassés de façon à pouvoir les sortir de la voirie communale, les échanger avec monsieur et madame Debar, et maintenant on réintègre la partie que nous avons obtenue en échange. Est-ce que vous avez des questions, des remarques par rapport à ce point? Non, donc je vous proposais, conformément à l'article L141.3 du Code de la voirie routière et considérant la loi 2004-1343 du 9 décembre 2004 qui dispense d'enquête publique et de procédures de classement et de déplacement des voies communales dès lors qu'il n'y a pas d'atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par ces voies, je vous propose de prononcer le classement dans la voirie communale des parcelles cadastrées section A numéro 1781 et numéro 1785. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je n'en vois pas, je vous remercie. Les deux délibérations suivantes relevant des ressources humaines de la collectivité, me revient de vous les présenter. Il s'agit dans les faits de répondre rapidement à une situation qu'il conviendra que la commission ressources humaines puisse étudier très prochainement, une fois que nous serons en pleine possession des tenants, des aboutissants et des conséquences des décisions qu'elle serait à même de prendre. Depuis 3 ans, suite à l'annonce d'une inaptitude à ses fonctions, une de nos ATSEM, titulaire du grade de première classe, occupe des fonctions d'appui administratif auprès de l'ALAE pour une quotité de son temps de 15 trentièmes et depuis 1 an et demi auprès du service technique pour 6 heures complémentaires dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique. En parallèle, une préparation au classement a été débutée et une formation et des stages pratiques d'immersion ont été effectués. Cependant, le 8 mars dernier, le comité médical a statué sur l'inaptitude définitive à ses fonctions d'ATSEM pour l'agent, avec comme conséquence la nécessité pour nous de lui proposer un cadre d'emploi qui correspond à cette nouvelle situation. C'est donc la raison pour laquelle, dans un premier temps, je vais vous proposer d'ouvrir un poste qui correspond donc à son état de santé, ou tout de moins à son emploi désormais, et il s'agit d'un poste d'adjoint administratif territorial de première classe à 30-35e. Avez-vous des questions par rapport à ce premier point? Le deuxième va vous donner un éclaircissement complémentaire. Si vous voulez, je peux même vous passer le deuxième point, puis on votera les deux en même temps. Puisque dans un second temps, maintenant que nous aurons ouvert le poste, une fois que vous l'aurez voté, je mettrai ce poste à la disposition de la Fédération des œuvres laïques 49 sur une quotité de 15-35e. Vous le savez sans doute maintenant, mais dans le cadre d'une convention pluriannuelle d'objectifs qui nous lie à la FOL pour l'accueil périscolaire et extrascolaire des enfants de la commune, la commune met à disposition de la structure ses animateurs communaux. La spécificité du grade d'ATSEM fait qu'on ne peut pas mettre à disposition un ATSEM. Maintenant que l'agent est rentré dans un autre cadre d'emploi, nous pouvons la mettre à disposition, puisque dans les faits, c'est effectivement ce qu'elle fait. Et si vous en êtes d'accord, nous accepterons à suivre de la mettre à disposition pour cette quotité au service de la FOL, des Pays de la Loire. Donc, je vous propose d'ouvrir le poste d'adjoint administratif territorial de première classe. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je n'en vois pas. Et d'accepter, si vous en êtes d'accord, la mise à disposition de l'adjoint administratif territorial de première classe à la Fédération des œuvres laïques de Maine-et-Loire du 11 avril 2022 au 31 août 2022, c'est le terme de la convention qui nous lie actuellement, pour une quotité de son temps de 15-30e. Y a-t-il des oppositions, des abstentions?
Je vous remercie pour elle. Je disais en préambule de la délibération, la commission ressources humaines aura à se prononcer sur l'aménagement de ce classement qui, je ne vous cache pas, j'ai rencontré cet après-midi l'agent en question. Ça interroge beaucoup les modalités de l'accompagnement des accidents de la vie dans la fonction publique. Donc, j'aimerais qu'on ait un petit débat au sein de la commission ressources humaines pour savoir ce que l'on fera, comment on traitera l'agent et les conséquences de son accident de la vie. Si vous en êtes d'accord, on passe au point suivant. Vous vous souvenez sans doute que lors de notre conseil municipal du 24 février dernier, on a un tout petit peu dérogé aux usages en acceptant le fait que le trésorier public n'était pas en mesure de nous fournir dans les temps le compte de gestion de la collectivité. C'est un document qui émane de ses services et qui, pour peu qu'il soit en tout point conforme avec le nôtre, notre compte administratif, nous permet de valider nos chiffres. Dans ces conditions, nous avons adopté un budget primitif sur la base de reprises anticipées des résultats de 2021. Nous allons pouvoir ce soir confirmer nos décisions passées à la lecture des chiffres qui nous ont été transmis par le trésorier public et que je vais laisser le soin à Jacqueline Mignot de nous présenter en commençant par le compte de gestion. Donc le compte annuel de gestion est celui établi par le receveur municipal. Il comprend toutes les opérations constatées au titre de la gestion de la commune, y compris celles effectuées pendant la période complémentaire. Après s'être fait présenter le budget primitif du budget principal de l'exercice 2021, les titres définitifs de créance à recouvrer, le détail des dépenses et celui des mandats délivrés, les bordereaux des titres de recettes, les bordereaux de mandat, le compte de gestion dressé par le receveur, accompagné de l'état de l'actif et de l'état du passif. Donc, du coup, si vous en êtes d'accord, vous avez eu, nous allons pouvoir donc considérer, au regard de ce que nous a dit le trésorier payeur, que l'ensemble des opérations effectuées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, y compris celui de la journée complémentaire. La journée complémentaire, c'est une journée fictive qui permet de passer les opérations, les dernières opérations. Si vous en êtes d'accord, comme il a constaté que tout était régulier, je vous propose de déclarer que notre compte de gestion du budget principal dressé pour l'exercice 2021 par Madame Beer, qui se trouverait être la responsable du service de gestion comptable de la Couronne d'Angers, n'appelle de votre part ni observation ni réserve. Avez-vous des remarques ? Donc je passe au vote. Avez-vous des abstentions ? Des votes contre ? Je vous remercie. On va continuer avec le compte administratif. Le budget 2021 qui était voté était en état de prévision. Il s'agit maintenant de constater comment et dans quelle mesure ces prévisions se sont réalisées. Le compte administratif est en effet le relevé des opérations financières, recettes et dépenses réalisées, y compris pendant la période complémentaire. Donc la présentation du compte administratif de l'exercice 2021 peut se résumer ainsi. Donc, charge à caractère général 477 981,41 €. Les charges de personnel 1 087 282,65 €. Atténuation de produits 220 578 €. Opération d'ordre 50 383 €. Autres charges de gestion courante 191 824,79 €. Charges financières 16 812,32 €. Charges exceptionnelles 1 349 €. Dotation aux provisions 1 258 €. Pour un total de dépenses de 2 047 469,31 €. On met des recettes en face. Alors, les recettes de fonctionnement. Alors, résultat de fonctionnement reporté, 1 412 031,31 €. Atténuation de charges, 66 312,97 €. Opération d'ordre, 15 568 €. Produits de service 280 075,36 €.
Impôts et taxes, 1 715 974,87. Dotation, subvention et participation, 590 348,88. Autres produits de gestion, 26 621,05. Produits exceptionnels, 19 803,21. Pour un total de recettes de 4 126 735,65 €. Et un résultat de l'année, 667 235,03 €. Et un résultat cumulé de 2 079 266,34 €. J'ai pas le même chiffre de recettes, moi. Ah, pardon. Si, moi j'ai ça. Moi j'ai 2 714. Et effectivement, 2 047 de dépenses et 2 714 de recettes, ça fait bien un résultat de 667. Ça, c'est bon, ça, 607. Je pense qu'il y a un petit problème de total dans le tableau. Les recettes de fonctionnement, c'est plutôt 2 714 704,34. À mon avis, il y a un chiffre qui a été quelque part dans le tableau. Ouais, je n'ai pas vérifié. Notre résultat est bien de 667 235 €. Capacité. C'est bien ça. Hein. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Donc, il y a un petit. Non, il y a un petit. Il y a une erreur dans le tableau. On passe à l'investissement. Ah, boulette. Et on a fait 667 000 de boulettes. On passe à l'investissement. Autant pour moi. Alors, dépenses d'investissement. Donc, opération d'or 15 568 euros. Opération patrimoniale 7 365. Les emprunts et dettes assimilés 84 777,65. Immobilisation incorporelle 13 539,78. Les subventions d'équipement versées 1 000 euros. Immobilisation corporelle 540 219,15. Et les conventions voiries ALM 548 032,88 €. Pour un total de dépenses de 1 214 502,46. Nous sommes d'accord. Les recettes. Bon. Alors, les recettes. Solde d'exécution reporté 538 690,04 €. Opération d'ordre 50 383. Opération patrimoniale 7 365. Dotation fonds divers et réserves 40 245,42. Subvention d'investissement 199 777,98. Convention voirie ALM 497 110,22. Pour un total de recettes de 1 333 571,66. De un résultat de l'année de 119 069,20. Un résultat cumulé sans. On souhaitait vous faire une petite, un petit focus sur les dépenses, d'investissement de 2021, pour que vous ayez une idée de ce que ça, comporte. Donc, il y a moins value suite à la revente du Boxer, donc ça, c'est un jeu d'écriture. Donc, parce qu'on a remplacé un véhicule. Donc, le remboursement capital d'emprunt 84 777. Il y a eu des régularisations, intégration frais d'études sur bâtiment, salle de sport plus garderie, pour un coût de 7 365. Finance, accession sociale, 1 000 euros. Acquisition du terrain AE 133, route de Soussel, 101 euros. Cimetière, donc reprise de concession, 11 520. La fin des travaux du groupe scolaire, phase numéro 2, 306 215,53. Division parcellaire, chemin du Paticola plus Calvaire, plus voirie, enfouissement télécom, RD109 et poteau incendie, route des Davières, 83 015,52 €. Alors, études audit énergétique plus plancher grenier. Pardon, mairie, zone humide, grand pressoir,
dendrochronologique du palais de justice, 12 147,78 €. Donc le logiciel d'acquisition en France, première partie de la facturation, 1 392. Le foncier, donc SC du motu paticola, colliné, bande de terrain et ripière, au trigue, grelot, chemin du calvaire, BRI 15, 16 143,87 €. L'engazonnement du cimetière, 347 €. Travaux de réhabilitation groupe scolaire, 29 346. Travaux du vestiaire sportif, 26 394,41. Alors, travaux de voirie et délimitation chemin du calvaire de plusieurs parcelles, 684. Donc, divers matériels et outillages de voirie, décoration, fête de fin d'année, 8 999,40. Donc, l'acquisition du fourgon, 28 766,46 €. Du matériel informatique, serveur, SSD atelier, NAS, 3 tablettes pour BL enfance, téléphone sans fil, enfin je vous laisse lire, 8 533,02. Du mobilier pour l'école, 10 chaises pour le rondeau, 10 chaises rondeau, mairie, fauteuil plus support, clavier, 3 795,90 €. Entretien et fourniture voirie avec convention ALM. Donc c'est divers matériaux pour faire l'entretien des voiries. Logiciel de ICT, curage faussé, pneus, tracteurs et couteaux et lagueuses, 35 885,38 €. Donc des travaux de voirie avec convention ALM, donc, dont la RD109, relevé topographique, chemin de la Guichardière, maîtrise d'œuvre pour aménagement et sécurisation. Travaux square derrière mairie, 209 156,22 €. Divers, école, donc achat de divers matériels. Donc pour une somme de 14 871,47 €. Là, vous avez vu qu'on avait des restes à réaliser en dépenses, en recettes. Restes à réaliser en dépenses, 190 876,35. À réaliser en recettes, 352 922,90. On a bien les mêmes chiffres. Ce qui nous fait un résultat d'investissement de 281 115,75. Pour un résultat global d'exécution de 2 360 382,09. Merci. Jackie, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette présentation? C'est toujours un peu fastidieux, mais ça permet de voir ce qui a été fait, de ce qui n'a pas été fait, des restes à réaliser. Pas de questions particulières? Alors, étant donné que vous allez devoir maintenant valider la gestion financière de la collectivité dont je suis le garant, le Code général des collectivités territoriales prévoit que je sorte de la salle le temps que Sylvie Fouché, première adjointe, prenne la présidence de la séance et passe au vote de cette délibération. Je vais me cacher. Bien, donc nous allons procéder au vote. Je vous rassure, ce sera le seul de l'année où on sera en mesure de faire un vote sans monsieur le maire. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2121-31, L1612-12 et suivants, et le Code des communes, articles R241-1 à R241-33, il vous est proposé d'approuver le compte administratif du budget principal 2021, dont le résultat global d'exécution s'élève à la somme de 2 360 382,09 €. Y a-t-il des abstentions? Trois. Y a-t-il des votes contre? Je vous remercie.
parce qu'on me signale que ça a été voté. Je vous remercie pour votre confiance et j'associe à ces remerciements Jacques Mignot et l'ensemble de la commission des finances, ainsi que l'ensemble des agents qui, par leur rigueur, leur professionnalisme et leurs conseils, œuvrent quotidiennement à la bonne gestion financière de la commune. C'est Jackie qui va continuer en nous proposant les affectations des résultats 2021. Non, là, c'est les résultats. Le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement de 2 079 266,34 €, ainsi qu'un excédent d'investissement de 119 069,20 €. Compte tenu du résultat d'investissement en 2021, il est proposé d'affecter en recette d'investissement seulement le résultat de cette section. Avez-vous des questions par rapport à ça? Une fois qu'on a eu les chiffres effectivement arrêtés, il convient de les affecter. Et si vous n'avez pas de réflexion ou de remarque par rapport à ça, je vais vous proposer d'affecter donc les résultats 2021 au compte 001 pour le résultat d'investissement pour un montant de 119 069,20 € et au compte 002 pour l'excédent antérieur reporté de fonctionnement pour un montant de 2 079 266,34 €. Y a-t-il des abstentions, des votes contre ? Je vous remercie. Vient maintenant le temps de statuer sur la contribution financière des Brioletins à la marche de notre commune en délibérant sur la part communale, j'insiste bien sur la part communale, du taux d'imposition 2022. Jackie. Donc, pour rappel, en 2021, en application des nouvelles dispositions législatives liées à la réforme de la fiscalité directe locale, le taux d'imposition voté pour la taxe foncière sur les propriétés bâti s'est établi comme suit. Taux communal 2020 26,48%, majoré du taux départemental 2020 21,26%, soit 47,74%. La notification des produits prévisionnels a été adressée aux communes courant mars 2022. Au stade du budget primitif 2022, un montant de 1 200 000 a été inscrit. Donc, taxe sur le foncier, donc les bases 2022. 2 370 000, taux 2021 47,64% et 47,88%, et pardon, base taxe sur le foncier non bâti 61 300, produit 2022 1 131 438 et sur le non bâti 29 350 pour un total de 1 160 788 €. Versement coefficient correcteur, 170 814 €. Taux 2022, 33 198. Allocation compensatrice, 12 392. Montant prévisionnel 2022, fiscalité directe locale, 1 377 192 €. À titre d'information, en 2021, la taxe sur le foncier bâti représentait 1 million, nos bases, hein, représentent, enfin, nos produits représentaient 1 087 774 €, et cette année 1 131 000 sur le foncier bâti, et sur le non bâti, nous étions à 29 000, nous étions, c'est ça, à 42 000 et on passe à 29 000, ce qui fait que nous avons cette année, bon an, mal an, à peu près 50 000 € de plus de recettes fiscales, rien qu'en partant sur le calcul des bases. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui nous échappe, mais du coup, nos recettes augmentent d'autant. Dans le même temps, je peux vous donner des précisions, puisque nous avons eu la dotation globale de fonctionnement qui nous a été notifiée. Elle sera de 593 206. En sachant que dans le budget prévisionnel que nous avions voté il y a 2 mois de cela, nous avions inscrit 510 000 € de recettes au titre de la DGF et que le montant de 2021 était de 572 000. Donc là, il y a 20 000 € de plus, 50 000 donc sur les impôts et 20 000 sur la DGF.
C'est la raison qui nous pousse aujourd'hui à vous proposer de ne pas augmenter les taux communaux, comme ça a été le cas depuis au moins, on se posait la question l'autre jour, depuis une dizaine, plus de 10 ans. On se base sur le fait que notre budget primitif 2022 nous permet, avec les recettes que nous y avons entrées, qui sont même un petit peu minorées par rapport à ce qu'on aura effectivement, de ne pas être obligé d'augmenter les taux. Donc, si vous en êtes d'accord, je vous propose de reconduire les taux de 2021 et de voter donc les taux d'imposition de la part communale pour l'année 2022, comme suit. Une taxe foncière sur les propriétés bâties à 47,74% et une taxe foncière sur les propriétés non bâties à 47,88%. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Je vous remercie. Toujours un message à faire passer, parce que ça ne veut pas dire que les impôts des Brioletins ne vont pas augmenter. Mais s'ils augmentent, ce n'est pas du fait de la mairie. C'est toujours bon de rappeler ça. Hein, ça n'augmente pas du fait de la mairie. On n'en a pas fini avec les questions de finances, puisque nous avons abordé la partie fiscale et budgétaire. Et maintenant, on va parler davantage de projets. Mais avant de lui laisser la parole à Jackie, je me dois de vous donner les raisons qui nous contraignent à reporter la première délibération de ce chapitre. Nous avions normalement la signature d'une convention avec Angers-Loire Métropole et le département de Maine-et-Loire dans le cadre des futurs travaux du carrefour de la RD 52 et du chemin de la Guichardière. Les derniers ajustements n'ont pas encore été tout à fait validés par les uns et les autres. Il n'est donc pas possible de vous les présenter et de vous les soumettre en l'espèce. Ce sera possible, je l'espère, dès notre prochaine réunion. Et normalement, ça n'aura pas d'incidence sur le démarrage des travaux, puisque Jackie, tu nous as appris qu'il s'installait là. Colas Oui, début mai, ils viennent s'installer, et puis après, les travaux commenceront une semaine plus tard. Donc, on ne prendra pas de retard du fait de cette non-signature de la convention. Le point suivant, par contre, est un petit peu plus délicat, puisqu'il concerne les travaux de la salle de sport et que les décisions à prendre auront, elles, par contre, assurément des conséquences un peu plus sérieuses. Vous vous souvenez sans doute, toutes et tous, de m'avoir autorisé le 22 février dernier à lancer les marchés de travaux après que l'économiste du cabinet d'architectes 7 que nous avions mandaté ait actualisé ses estimations et que ces dernières n'appelaient pas de remarques de notre part puisqu'elles étaient à la fois conformes au cadre du marché public et relativement contenues. L'ouverture des plis a été effectuée le 1er avril dernier à midi, comme il est notifié dans les termes de la consultation, et le résultat est sans appel, et même s'il nous interroge, 14 dossiers de retour pour 10 lots, seulement 14 retours pour 10 lots, et un surcoût moyen qui frôle les 45%. J'ai eu la même réaction. J'ai exactement eu la même réaction. Dans ces conditions et dans l'attente du rapport d'analyse du cabinet 7, puisque le cabinet 7 normalement fait un rapport d'analyse, nous reviendra vers nous à l'issue de ce rapport d'analyse, nous ne pourrons prendre aucune décision, mais nous savons d'ores et déjà, quelles qu'elles soient, qu'elles auront des répercussions sur la livraison de l'équipement. À ce stade, je vous propose, si vous le souhaitez, que nous puissions toutefois valider le plan de financement ainsi que les demandes de subventions, faisant référence au chiffrage prévisionnel, quitte à les modifier ultérieurement. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, ne pas le faire, ça nous ferait ne pas réclamer les dotations 2022, pour lesquelles nous avons déjà déposé un dossier. Le plan de financement n'est juste qu'une pièce du dossier, le dossier est déjà déposé. Et du coup, passer complètement à côté du subventionnement possible de cet équipement. Alors que dans les faits, nous allons, avec le cabinet, réfléchir à un nouvel appel d'offres, puisque une des raisons qui nous est donnée par rapport à ce surcoût, c'est qu'en fait, entre le moment où l'appel d'offres a été lancé et le début des travaux prévus dans le cadre de cet appel d'offres, le temps étant tellement court et les plans de charge des entreprises tellement lourds, pour le coup, que pour répondre à l'offre, ils ont majoré pour recruter du personnel ou faire appel à de l'équipement supplémentaire.
Auquel cas, il se peut que quand nous reproduirons l'appel d'offres, en mettant une date de début de travaux, imaginons fin octobre ou novembre ou décembre, en tout cas en 2022, que cet effet de précipitation soit réduit et que les coûts redeviennent normaux. Je dis bien « il se peut ». Auquel cas, si les travaux commençaient en 2022, il serait dommage de ne pas avoir bénéficié des dotations que nous aurions pu avoir. C'est la raison pour laquelle je vais laisser Jackie tout à l'heure nous présenter le plan de financement et que je souhaite qu'on puisse le voter et voter les demandes de subventions et nous accorder le fait de demander les subventions pour un équipement qui effectivement sera peut-être difficile à construire en 2022, mais de toute façon il ne faut jamais déroger au fait de demander des subventions quand on le peut. Je pense que vous avez des réflexions à faire, ou tout du moins des demandes de renseignements par rapport à ça. Je suis tout ouïe et Jackie peut aussi y répondre. Oui ? J'ai une question sur les sollicitations. Pourquoi seule la fédération en lien avec le foot a été sollicitée, et, puisque finalement c'est multisport, ce projet ? Alors, ils sont sollicités parce que dans le projet initial, il s'agissait de vestiaires de football et qu'on avait signifié notre intérêt pour ça. Et que du coup, il semble logique de continuer, puisque les vestiaires serviront aussi au football. Donc du coup, ils seront aussi la demande. J'ai bien compris, mais ils ne serviront pas qu'au football. Ils ne serviront pas qu'au football. C'est pour ça, d'où ma question. C'est une participation aux vestiaires. Comme leur subvention ne couvrira pas de toute façon le montant des vestiaires. Donc on serait tenté de dire que c'est une quote-part. Ben oui, c'est ça, oui. Oui. Pourquoi on s'interdit de solliciter d'autres fédérations sportives ? Ah, on ne s'interdit pas de le faire. C'est juste que ceux-là, on les avait déjà sollicités avant même de commencer le projet et qu'ils nous avaient signifié leur potentiel accord. Donc du coup, ils seraient... Alors après, on peut effectivement solliciter d'autres. On ne s'interdit pas de faire, mais du coup, qu'on n'a pas inscrit dans ce plan de financement. Et alors, c'est peut-être un peu hors sujet, mais je me suis permis... de contacter le président de la section foot mardi soir. Et puis, ben, il m'a globalement exposé ses craintes sur l'insalubrité de l'existant pour la section foot. Insalubrité dont le constat avait été posé d'ailleurs par les services municipaux, il me semble, monsieur Mignot, il y a quelques mois, qui a valu d'ailleurs une impossibilité de louer la troisième salle qui était louée auparavant, qui servait de buvette. Donc moi, c'est une question, je pense que je suis un peu dans le thème, tout en étant un peu hors sujet quand même, sans doute aussi. Est-ce qu'il y a déjà eu un questionnement de poser sur l'opportunité de lancer un audit en vue d'une réflexion des structures existantes pour le football, puisque là, on parlait du football à travers le projet du vestiaire, enfin du gymnase. Et est-ce que cette question pourrait être inscrite au prochain conseil ? Au prochain conseil, assurément pas. À la prochaine commission, assurément oui. En sachant que, fort des constatations qui avaient été faites lors de la visite des locaux, il y a d'inscrit au budget 2021, si je ne me trompe, une certaine somme, 12 000 euros, pour la réfection notamment de ce qui posait problème, à savoir les vitres cassées, la peinture dans les vestiaires, de façon, et ça en accord avec le club de foot. Je vais insister sans être trop lourd, j'espère. Je pense qu'il y a d'autres besoins et il y a également sans doute d'autres carences à venir pour ces locaux. Et effectivement, la question devrait se poser assez vite parce qu'il y a quand même des adhérents. Pour le coup, les vestiaires vont servir. C'est vrai que là, la question s'est moins posée puisqu'il y avait des contraintes sanitaires à l'œuvre. Pour le coup, il n'y en a plus. Ben, je suis heureux de constater que nous constatons ensemble que les vestiaires vont servir et qu'il est nécessaire d'en construire, alors qu'il y a quelques semaines, on nous disait l'inverse. Non, donc non, ça tombe bien. Mais pour le moment, ces vestiaires-là ne sont pas construits. Par contre, les vestiaires utilisés sont, pour le coup, insalubres ou vont le devenir assez rapidement. Oui, ce qui n'empêche pas, c'est ce qui se passe actuellement, le football, d'utiliser, quand c'est nécessaire, les vestiaires de la salle de sport, qui sont, eux, un peu en ce moment sous-utilisés, puisqu'il n'y a pas de section basket et pas de plateau de basket le samedi. Donc ça, on a bien entendu, on est bien conscient de ça. Et j'invite monsieur le président du football à venir nous rencontrer, puisqu'il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Jackie, tu veux rajouter quelque chose ? Non, je veux juste dire qu'on a bien pris conscience que la salle était peut-être... Enfin, elle est insalubre, oui, elle est insalubre. Mais enfin, après, il y a eu des événements qui font que peut-être du manque de stockage et tout ça, qui font qu'il y a des matériels qui ne devraient pas être dans cette salle et qui la rend pas forcément très agréable, en plus.
Il y a des tonnes de chaises qui sont là, on se demande pourquoi. Il y a un barbecue qui est là. Bon, effectivement, s'il y a un local de rangement supplémentaire, c'est sûr que ce sera un avantage. Mais voilà, moi je vais répondre là. Donc là, on a prévu de refaire éventuellement les plafonds, refaire les peintures. Donc le président s'est proposé que l'on fournisse la peinture et qu'il fasse les travaux avec des membres du club. Voilà. Voilà où on en est aujourd'hui sur les vestiaires. Moi, je voulais juste répondre sur la question des subventions, effectivement, aux différentes fédérations de sport. Il semblerait que si on demande une subvention à une autre fédération de sport, comme c'est multisport, il faut que ce soit fait auprès de la fédération du multisport. Et dans ce cas, on n'aura pas accès à la subvention football. On ne pourra pas cumuler, en fait, les différentes subventions. Soit c'est le multisport, soit c'est une subvention d'un seul sport. D'autres remarques, prises de position ? Je propose donc à Jackie de nous présenter le plan de financement et les demandes de subventions afférentes pour la construction du club à et l'extension de la salle de sport. Le plan de financement et l'extension des vestiaires sportifs. Donc, travaux suivant estimation, 526 550 euros. J'ai pas les mêmes chiffres, c'est bizarre. Donc, il y a les frais d'études, 69 466. Le mobilier et assurance dommage, 14 000. Pour un total de 610 016 euros. Alors, en recettes attendues, DETR 2022, 213 506 euros. Du côté région, PAC ruralité, 18 886 euros. Au niveau du département, soutien investissement des communes, 100 000 euros. Terre de jeu, donc ça c'est une piste qui pour l'instant ne risque même pas aboutir à mon avis. Fédération de football, donc fonds d'aide de football amateur, 30 000 euros. Donc ça fera un autofinancement de 247 624 euros. Donc si on fait le total des subventions attendu, on a plus les 247 624, on arrive à 610 016 euros. Ok, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce plan de financement, autre que celles que nous avons déjà eues ? Je vais vous proposer d'approuver ce plan de financement prévisionnel pour l'opération de construction des vestiaires et du club house pour la somme globale de 610 016 euros hors taxes. Et solliciter les aides publiques, donc la dotation d'équipement des territoires ruraux, le département et la fédération de football amateur pour ce projet. Y a-t-il des abstentions ? 1, 2, 3, 4. Des votes contre ? Je n'en vois pas, je vous remercie. Je suis toujours étonné que l'on puisse voter contre le fait de solliciter des subventions. Mais nous poursuivons notre ordre du jour avec deux décisions relatives au renforcement, à l'effacement et à l'extension de réseaux sur la commune à Toigette. Alors, il s'agit du renforcement et l'effacement des réseaux rue des Acacias, donc fonds de concours au CIMEL, validation au stade de l'avant-projet sommaire avec extension. Donc les travaux concernent le renforcement de la peinture P12 ainsi que de l'effacement qui sera dans 50 unités. Au regard de l'avancement de ce dossier, il s'agit d'un avant-projet sommaire susceptible de modification. Donc celui-ci s'élèverait à la somme de 160 930 euros net. Au regard du règlement financier en vigueur arrêté par le comité syndical du CIMEL, le montant de la participation à verser par ALM serait de 23 598 pour l'effacement des réseaux d'éclairage public. La prise en charge du CIMEL sera de 137 332 euros pour les travaux de renforcement et d'effacement des réseaux d'éclairage public. Une dépense estimative de 68 424 TTC pour le génie civil, télécommunication, serait à prévoir par la commune. Celle-ci sera confirmée à travers une convention tripartite et une convention de maîtrise d'ouvrage temporaire à venir. Considérant les travaux de renforcement et d'effacement des réseaux prévus et l'extension proposée rue des Acacias,
Donc, si vous êtes d'accord, décide, valide le programme de travaux représentant une partie communale de 68 424 € TTC. Au Simen. Donc là, Jacques a pris la main sur moi. Oui, je suis désolé, j'étais trop vite. Pris dans son élan, il vous propose de valider donc le programme de travaux pour la participation de 68 424 €. Y a-t-il des questions par rapport à cet enfouissement, à cette extension de réseau ? J'en vois pas, c'est assez technique. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Je n'en vois pas, je vous remercie. Il va s'agir maintenant d'évoquer une extension du réseau télécom. C'est toujours sur la même partie, donc c'est la rue des Acacias, pour ceux qui connaissent, c'est une raquette, et elle va rejoindre vers un petit chemin la rue des Frênes. Et donc du coup, quand on est passé voir avec le CIMEL, on s'est aperçu qu'il allait rester trois portées de réseau qui ne seraient pas déposées, et dans cette zone-là, tout est déposé, donc on a trouvé ça un petit peu dommage de pas tout faire, et surtout qu'il fallait remplacer un poteau qui a un coût assez énorme à l'entrée du chemin des Frênes. Donc, du coup, là, il va vous être demandé, lors de la séance du 8 juillet 2021, le conseil municipal a décidé de l'acquisition de la parcelle AL200. Ça n'a rien à voir, ça. Excusez-moi. J'ai confondu les deux dossiers, pardon. En fait, c'était sur le dossier là-bas. Comme ça, je vous ai expliqué pourquoi on a fait une extension. Lors de sa séance du 8 juillet 2021, le conseil municipal a décidé de l'acquisition de la parcelle AL256, moyennant le prix d'1 € et la réalisation de travaux d'aménagement de cette bande de terrain permettant la desserte de logements. Concernant les réseaux, l'extension du réseau d'adduction d'eau potable et d'eau usée est réalisée par ALM. Le raccordement au réseau électricité est géré par la commune de Briolet via le SIML avec une participation des vendeurs, monsieur et madame Hubert. Le raccordement au réseau télécom est géré par la commune de Briolet via le SIML. Vous avez des questions par rapport à cette extension de réseau chemin des Frênes? Tout le monde voit où est le chemin des Frênes? C'est le nouveau chemin en haut de la Hérépierre. Celui qui est encaissé. Moi, je le connais ce chemin puisque j'habite pas très très loin. Je suis pas convaincu qu'on puisse appeler ça complètement un chemin parce qu'il fait moins de 100 mètres pour le coup. Il se finit dans une impasse pour l'instant. On ne peut pas non plus l'appeler une cavité, mais bon, pour le coup, le chemin il dessert pour le moment un seul terrain pour une future maison. Il y a dans la rue de la Hérépierre énormément de ce type de chemin qui ne s'appellent pas des chemins mais qui portent des numéros de la rue de la Hérépierre. Je sais pourquoi ce bout de chemin a été engagé. J'écoute attentivement les conseils depuis 2 ans. J'ai souvenir aussi, Monsieur Viau, que vous nous aviez expliqué aux auditeurs, en tout cas au conseil dernier, que la mairie avait pris en charge les travaux pour assurer la sécurité de ce chemin. Là, pour le coup, j'ai plutôt l'impression qu'on est passé sur un autre volet que la sécurité, puisqu'on parle des télécoms. Donc je voudrais savoir si ce volet-là a été abordé en commission urbanisme. Ah mais totalement. On en a parlé. Parce que là, j'ai pas fini, excusez-moi, mais pour le coup, j'ai pas trop d'éléments quoi en main. Donc ça a été abordé. C'est vrai que ce chemin fait l'objet de travaux assez rapides. Ce qui a été abordé, c'est outre le fait de la sécurité, donc on est bien d'accord. Outre le fait que ce chemin passait en voie communale, et donc le fait qu'il passe en voie communale, on est obligé de lui attribuer un nom. Même si c'est fait que 100 mètres, c'est au moins l'avantage. Ça évite justement d'avoir ce qu'on connaît depuis longtemps, des 3A, 3B, 3C, 3-10, enfin voilà, et au moins là on a un nouveau chemin et avec un numéro sur la maison effectivement qui va desservir dans un premier temps. Et le fait que ce soit une voie communale, eh bien l'avantage c'est que les réseaux qui sont en dessous sont communaux. Donc c'est pour ça qu'ils ont propriété maintenant de la commune et on a toute latitude pour en faire derrière ce que l'on veut. Pour le coup, la commune, là, elle prend à sa charge quelque chose qui va desservir un propriétaire privé, on est bien d'accord. Oui, mais c'était déjà convenu dès le départ. C'était convenu, mais on peut parler aussi de finances ou de budget ou d'intérêt de faire les choses. Oui, non, mais... Non, c'est pas possible ou... De quoi qui n'est pas possible? De poser des questions à ce niveau-là. Ah, le coût est quand même assez important, me semble important.
J'espère effectivement que c'est... Non, mais il n'y a pas de problème pour les questions. Ça ne va pas fonctionner comme ça pour tout le monde, parce que si chacun pense que les ouvertures de réseaux privés peuvent être assurées par la mairie, ou alors ce projet dessert autre chose. Non, ça, non, ça vient d'en parler, monsieur Viau, sans doute. Mais ne soyons pas hypocrites. Je veux dire, ce chemin, il est effectivement, comme je ne veux pas réexpliquer ce que j'ai dit la dernière fois sur l'objectif du chemin, le fait qu'il passe communal, c'est aussi parce qu'il dessert la 2AU. Encore une fois, la 2AU qui est derrière, je ne sais pas ce qui va devenir dans l'avenir de cette 2AU, on en a déjà parlé. Il n'y a pas de, à part les zones humides dont on a parlé déjà plusieurs reprises, qui sont bien précises et qui fait qu'on a baissé la zone 2AU en termes de surface. Il reste malgré tout des zones qui sont encore à urbaniser, qui sont marquées au PLUI au moins jusqu'en 2026, puisque la modification du PLUI interviendra en 2026, et que il serait dommage pour ceux qui viendront derrière dans les futurs mandats, ils verront ce qu'ils voudront faire avec cette 2AU, mais en tout cas, de ne pas avoir l'opportunité de faire des réseaux communaux et à propriété communale lorsqu'on a la possibilité de le faire. On pourrait nous reprocher derrière. Donc voilà pourquoi on a pris en charge, avec une négociation qui s'est faite avec le propriétaire, qui a donc participé financièrement au réseau, et sur lequel il nous a donné à titre gratuit, je le rappelle, le terrain dont on parle pour l'euro symbolique. Voilà. Donc c'est une négociation qui s'est faite normale, comme on fait d'autres négociations. Une question. Est-ce que les travaux de raccordement, est-ce que c'est vraiment à la charge de la mairie d'assurer ce type de travaux ? Parce que moi, j'ai fait une recherche, sans doute peut-être mauvaise hein, pour le coup, mais je lis la charge de l'opérateur en charge du réseau téléphonique public. C'est ce que j'ai trouvé, moi, en cherchant sur Internet. Et puis, je reviens sur ma question des dépenses. C'est-à-dire que là, on fait des dépenses en prévision d'un projet dont on ne parle jamais, ou en tout cas peut-être en commission, mais pour le coup, pas au Conseil. Je trouve ça dommage, ou en tout cas, moi, j'aimerais bien aujourd'hui en savoir davantage, puisque c'est quand même peu évident... moi j'ai besoin d'éclairage, c'est-à-dire qu'on a un vote à faire, on nous dit c'est pour un projet, ce projet on ne l'évoque jamais. Alors ça fait partie de ce genre de questions, je vais mettre ça sur le compte de la jeunesse au sein de notre assemblée, ce genre de questions peut faire l'objet effectivement d'un vrai débat en conseil municipal pour peu qu'elle ait été posée au préalable. Et qui nous permettent d'amener toutes les réponses à vos questions. Donc elles doivent être formulées par écrit et adressées au maire, qui juge après de la pertinence d'en référer ou pas au conseil municipal. Je pense que ces questions ont été posées il y a déjà un mois par les représentants de l'association du Grand Pressois. Il suffit de revisionner. Hein. Je laisse Pierrick répondre à ça. Oui, ça a déjà été posé, mais je ne veux pas revenir toujours sur le même sujet. J'ai déjà, il me semble, répondu aux questions là-dessus. C'est encore une fois, le rôle d'un conseil municipal, c'est aussi de prévoir l'avenir, c'est aussi d'anticiper sur l'avenir. Aujourd'hui, on peut acquérir des terrains aujourd'hui sur lesquels, et même on est en cours d'acquisition, enfin on en parle en commission régulièrement, on essaie de négocier certains terrains pour avoir des projets derrière. On sait déjà pertinemment que c'est même pas nous, quand je dis nous, le mandat d'aujourd'hui, qui allons œuvrer là-dessus. On travaille aussi sur l'avenir de Briolet, sur les 20 ans qui viennent. Donc après, chacun prendra ses responsabilités au moment voulu. Voilà. Sur cette zone de la U, je le répète, aujourd'hui, il n'y a pas, outre le fait qu'elle est marquée dans le PLUI en zone à urbaniser, il n'y a pas encore de projet dessus. C'est clair. Enfin, je ne vais pas aller plus loin. Hein. C'est ce que j'essaie de vous dire. Très simplement, on part sur des choses. Il n'y a pas de projet, mais c'est cette absence de projet qui fonde l'action. Non, là du coup, on met un réseau à des personnes qui ont cédé un terrain en échange de la mise en place de ce réseau. Sur une voie communale. D'autres... Donc je vous propose, vu la délibération du syndicat d'énergie et vu l'avant-projet détaillé des travaux d'extension du réseau télécom, de fixer la participation foncière de la commune de Briolet aux travaux d'extension du réseau télécom réalisé par le SIML à hauteur de 3 376,58 € TTC. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? 1, 2. Je vous remercie.
Pour clôturer les questions financières, j'espère que ce sera beaucoup plus simple, il s'agit d'un terminal électronique de paiement, ou de paiement électronique, un TPE. Donc pour rappel, la carte bancaire est un moyen de paiement répandu et pratique pour les usagers. Il est proposé d'équiper les régies municipales d'un terminal de paiement pour encaisser les recettes par carte bancaire. Donc ça, c'est assez simple. Y a-t-il une discussion à ce sujet ? Enfin, la collectivité va pouvoir encaisser en carte bancaire et du coup payer en carte bancaire. Encaisser ? Pas toujours pas payer ? Alors, je soumets donc à vos suffrages d'autoriser les régies municipales à encaisser leurs recettes par carte bancaire, à acheter ou louer un terminal de paiement électronique, d'accepter de prendre en charge les coûts qui seraient liés à ce mode de paiement et de m'autoriser ou d'autoriser mon représentant à engager des travaux éventuels nécessaires à cette réalisation et à signer tous les documents afférents. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Je vous remercie. Suite à notre dernier conseil municipal, je vais vous proposer de modifier la rédaction de l'article 2 de notre règlement intérieur relatif à la convocation des conseillers municipaux. En effet, comme nous l'avions évoqué et nous avions échangé le mois dernier, et afin de ne pas mettre la municipalité ni ses services en défaut, je vous propose une nouvelle rédaction du deuxième alinéa de cet article, rédigé comme suit. Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération sera remise aux membres du conseil municipal. Elle sera adressée, autant que faire se peut, en même temps que la convocation. D'un autre côté, je prends ici l'engagement que la rédaction initiale de l'article sera reprise dans notre règlement intérieur dès lors que les conditions de son application seront garanties. Et je vais m'attacher avec Anne Judéguier, notre directrice générale des services, à tout mettre en œuvre pour y parvenir dans les plus brefs délais. Ceci étant dit, je vous propose d'approuver la nouvelle rédaction de l'alinéa 2 de notre article 2 de notre règlement intérieur. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? J'ai une question. Est-ce qu'on peut essayer de définir ce qu'est un cas d'urgence ? Ce qu'est un cas d'urgence ? En cas d'urgence, le délai peut être abrégé, c'est... Le cas d'urgence. Non, mais qu'est-ce qu'un cas d'urgence ? C'est important de définir les exceptions. Justement, le code des territoriales prévoit que si je convoque le conseil municipal dans un délai d'urgence, je dois justifier au conseil municipal en début de séance la raison de cette urgence. Et donc le conseil municipal m'en donne quitus ou pas. La loi est ainsi faite que... c'est aux conseils municipaux de juger de la pertinence de l'urgence ou pas. C'est pas moi qui fais les lois. J'aimerais bien des fois, mais c'est pas moi. On n'a pas voté. Je vous propose donc de l'approuver, cette modification. Y a-t-il des abstentions ? 1, 2, 3, 4. Des votes contre ? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Comme suite à l'intégration dans notre conseil municipal de deux nouveaux conseillers municipaux, il a été proposé que les représentations au sein des différentes commissions municipales puissent être revues afin de correspondre aux affinités et aux desiderata et aux compétences de chacun. Après consultation et que j'ai eu un retour de cette consultation, je propose à votre suffrage, les modifications suivantes. Pour la commission Territoire intelligent et ressources humaines, M. Thierry Stepanowski remplacerait Mme Frédérique Maury. Pour la commission Participation citoyenne, vie associative, attractivité et rayonnement, personne ne remplacera Mme Sandrine Leroy qui était démissionnaire. Pour la commission Transition écologique, cadre de vie et urbanisme, pas de changement. Pour la commission Action sociale, éducation et intergénérationnelle, M. Stepanowski remplacerait Mme Frédérique Roulant démissionnaire. Et commission économie, finance et infrastructure, M. Joël Caillère remplacerait M. Rénal de l'Esquache. Avez-vous des questions par rapport à cette décision ? Je n'en vois pas. Je vous propose donc de prendre acte des modifications de composition des commissions municipales telles que je viens de vous les présenter. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ?
Je n'en vois pas et je vous remercie. Notre ordre du jour va se terminer avec l'approbation des tarifs des camps d'été 2022 que je laisse le soin à Christine de nous présenter. Oui, parce que ça fait en avant. Pardon, il faut que tu prennes ton micro. C'est bon, je peux parler. Ouais, okay. Oui, pour cette année, donc il y a trois camps comme l'année dernière. Donc les mini loustiques qui sont les enfants de 3-5 ans, les kényos du CP au CM1 et les jeunes qui vont du CM2 jusqu'en 5e jusqu'à 13 ans. Ces trois camps partent à Chef-sur-Sarthe. Les petits loustiques vont faire un petit camp sportif. Les kényos, ça va être du paddle et c'est aussi sportif et du style enquête, enfin des petits. Et les jeunes, ça va être aussi un camp lanta, comme Koh-Lanta, mais voilà, donc avec des équipes qui vont s'affronter. Donc la commission a décidé une augmentation de 1% par rapport à l'année dernière. Je ne vais pas vous lire les tarifs, je pense que c'est par quotient. Voilà, les prix communes et hors communes. Avez-vous des remarques quant à cette grille tarifaire? Des questions? Non, c'est la commune. Hors commune, c'est en dessous. Pas de questions? Je vous propose donc, si vous en êtes d'accord, de valider la grille tarifaire applicable pour les mini-camps et les camps d'été pour 2022, tels qu'ils vous ont été présentés. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Nous avons épuisé l'ordre du jour de ce Conseil. Nous n'avons pas reçu de questions diverses. Pardon. Juste, si on pouvait parler qu'on met en place le Conseil municipal des jeunes. Juste un petit mot. Peut-être Céline peut dire. Voilà. Eh bien, donc Céline va prendre un micro, puisqu'elle a le micro entre les mains, et elle va nous parler de la mise en œuvre, la mise en place du Conseil municipal des jeunes. Donc nous avons rencontré les enfants donc de l'école Georges Hubert la semaine dernière, jeudi dernier, avec donc Christine, Florent et moi, et donc Monsieur le maire. Donc pour parler du Conseil des jeunes qui va se mettre en place, donc auprès des enfants de CE2 et de CM1. Donc on a une fiche d'inscription qui se met en place et qui est donc à retirer du 11 avril au 29 avril. Il y aura donc un dépôt de candidature pour les élèves qui le souhaitent, donc au plus tard le 9 mai à la mairie. Voilà. Et donc nous mettons donc en place les élections. Donc, qui sont organisés par la municipalité le jeudi 19 mai. Voilà, donc il y aura en tout 6 enfants, donc CE2 et 6 enfants de CM1. Donc 3 filles, 3 garçons, pour respecter la parité, bien sûr. Voilà. Et puis après, tout se mettra en place donc, lorsque les enfants seront élus. Et avec les différentes commissions, etc. Donc tout se mettra en place à la suite de cela. Merci. Avez-vous des questions quant à ce Conseil municipal des jeunes? Merci. Madame Sébron, je n'avais pas été destinataire de questions diverses à l'issue de ce Conseil. Comme à l'habitude, nous avons du public, donc je clôt la séance, je ferme la séance de ce Conseil. Pour céder la parole s'il y a des questions ou des remarques de la part du public. Pas de remarques, pas de questions. Je reprends l'ordre du jour de notre... Enfin, je rouvre la séance du Conseil municipal pour souhaiter aux internautes une bonne soirée, vous dire que notre prochain Conseil municipal aura lieu le 12 mai. Et vous souhaitez à toutes et à tous une bonne fin de soirée. Je précise aux conseillers de ne pas partir rapidement. On a un petit conseil privé à suivre. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.